une jolie voix, hein. Coucou tout le monde, on est le 31 mai, on va sortir les chèvres dehors ce matin parce que cet après-midi il pleut. Et on se retrouve pour 2-3 trucs après, c'est parti. Les filles, on y va. Chut. Stop. Stop. Pomme, viens. Pomme. Pomme, droite. 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 Chut. Droite. Stop. Viens. Pomme, droite. Chut, chut, chut. Faut descendre les filles, vous connaissez le chemin, hein. Oh. Je vais mettre le jus aux chevaux. Respire. Bon, les chèvres sont au pré. Vous avez vu, j'ai mis du temps à vous faire la vidéo de ferme en ferme. Ben, en fait, on a été beaucoup occupés. Comme de ferme en ferme, c'est un événement, c'est un gros événement pour nous. Et ben, vous passez plusieurs jours à le préparer et vous mettez de côté plusieurs chantiers. Donc forcément, après de ferme en ferme, ben, on s'est retrouvés avec beaucoup de retard sur les clôtures, le débroussaillage sous les clôtures et l'administratif, parce que des papiers, on en fait un paquet. Donc ça, c'était une charge de travail juste après de ferme en ferme à tout de suite récupérer. Et ma jument qui est là est tombée gravement malade. Donc on a été deux fois en clinique, elle a eu des soins. Donc forcément je me suis énormément occupée d'elle, donc j'avais pas le temps de vous filmer quoi que ce soit. Pour faire simple, donc elle a les maladies transmises par les tiques, la pyro et l'hyme en chronique, elle a eu des ulcères et des problèmes de ventre et des problèmes au dos. Donc ça va mieux, on est vraiment rassurés, mais c'est vrai que bah voilà quoi, ça nous a pris beaucoup de... voilà, de l'inquiétude, du temps, et tout va bien. Donc on espère que elle rechutera pas de suite pour les maladies pyroïlines. Et c'est tout ce qu'on espère. On est fin mai et je vais aller sevrer une partie, presque la dernière partie des chevreaux. Donc je vais vous expliquer ça. Et aussi, pour vous parler un petit peu des soucis qu'on a en ce moment, on a un problème avec la météo. Alors c'est simple, ça fait 2 semaines et demie qu'il pleut tous les jours. Donc on n'a pas pu attaquer les foins, on n'a pas pu attaquer la luzerne. Et le souci c'est qu'il tombe des gros orages, donc il fait chaud. Il est tombé des grêlons et ça commence à casser la luzerne. Ça commence à coucher un peu des parcelles de foin. Donc il va falloir que je vous les montre. Donc déjà ça veut dire qu'on va pas attaquer les foins alors qu'on pourrait les commencer. C'est assez... Bon, pour le moment on s'inquiète pas trop, même si c'est un peu inquiétant, parce que si ça continue comme ça, bah là déjà c'est prévu encore comme ça pendant 10 jours. Mais si dans un mois on n'a pas attaqué les foins, l'herbe risque de se coucher et donc d'être près du sol et d'être humide et ne séchera jamais. On pourra pas la récupérer, ce sera tout simplement moisi. Et ce sera de mauvaise qualité puisque...
il se peut que le stade de l'herbe soit très très avancé, donc ce sera de l'herbe avec des grandes grandes tiges épaisses que les chèvres n'aiment pas trop. Enfin, pour les vaches et les chevaux c'est pas un problème, mais pour les chèvres il faut du foin fin. On attend tout simplement que la météo change, et là elle change pas. Ça a pour conséquence que aussi je ne peux pas sortir mes chèvres comme je le voudrais, puisqu'il pleut dès 14-15 heures généralement. Des fois s'il pleut 15 mm, le lendemain je peux pas les sortir parce que le sol c'est pas dégorgé d'eau, donc je peux pas les sortir. Donc je suis obligée d'encore distribuer le peu de fourrage qui me reste de l'année passée, parce que l'année passée avec la sécheresse on avait peu de foin, et je suis encore obligée de distribuer du fourrage en intérieur à mes chèvres, et j'en ai presque plus, parce que elles sortent pas, parce qu'il pleut. Donc vous allez me dire, ouais, les agriculteurs ils font que de se plaindre, de la météo ça leur va jamais. Ben oui, mais est-ce que votre revenu et votre chiffre d'affaires dépend de la météo? Je veux dire, que ce soit les pépiniéristes, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, notre revenu peut être saccagé en 30 secondes, hein, avec de la grêle ou ce que vous voulez, et vous pouvez avoir des pertes énormes, mais vous n'avez pas d'aide là-dessus. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour nos céréales, on a acheté la semence, vous avez dépensé du gasoil pour préparer, semer la terre, vous avez tout fait, et d'un seul coup, la pluie en continu ou les grêlons détruisent tout. Donc vous serez obligé d'acheter des céréales qui coûtent une fortune, et vous avez dépensé de l'argent pour votre culture que vous ne récupérez pas. C'est de l'argent perdu en grosse quantité par je sais pas, 8 000, 10 000 euros, parce qu'on n'arrive pas à récolter notre foin, quoi. C'est comme les viticulteurs qui perdent leur récolte avec la grêle, ou les arboriculteurs, ou le gel ou la grêle, ça vous détruit tout. Donc bien évidemment que ça nous plaît pas, parce qu'on dépend de la météo et les pertes peuvent être conséquentes. Donc oui, les agriculteurs se plaignent de la météo, donc parce que les conséquences derrière elles sont catastrophiques, quoi. Donc là encore on croise les doigts, hein, quand on voit l'orage arriver, on espère que ça tombera pas trop, et pour le moment on a quelques petits dégâts, mais c'est pas monstrueux. Et puis, de toute façon on n'a pas le choix d'attendre, mais voilà, on n'aura pas d'aide derrière, donc c'est juste que financièrement ça peut mettre toute une entreprise en danger, ce genre de météo, quoi. C'est tout, hein. C'est tout. Attends, mon cœur, il y a mes lunettes. On va aller voir les chèvres, je te laisse. Je te mets ton masque. Oh, les oreilles, c'est le kiff. On va peser et sevrer les chevreaux. Sevrer, ça veut dire quoi? Que ce soit pour des chèvres ou des chatons, ça veut dire que le jeune n'a plus accès au lait. Et vous savez, dans des élevages laitiers, je vous l'ai expliqué, la plupart du temps ils sont élevés au lait en poudre, les petits, donc comme nous, comme chez nous, sauf que le lait en poudre coûte une fortune. C'est vraiment un ingrédient, un aliment qui est très cher, donc vous devez choisir le bon moment pour sevrer, c'est-à-dire que si c'est trop tôt, ça peut impacter la vitesse de leur croissance et avoir des conséquences à long terme sur leur carrière laitière. Si vous sevrez trop tard, en fait, vous avez dépensé de l'argent pour rien en lait en poudre, alors qu'elles auraient pu être sevrées plus tôt et ne pas avoir de conséquences sur leur taille. Donc ce qui se passe, c'est que pour les chèvres de race alpine et Sanen, il est préconisé d'un sevrage à 2 mois et demi aux alentours de 17 kg. Donc 17 kg, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des chercheurs. Voilà, trop tôt, vous avez le risque que vos animaux grandissent pas suffisamment. Et trop tard, ça sert à rien, puisque vous allez dépenser beaucoup d'argent inutilement. Donc vous pouvez les sevrer avant. Donc on va juste les peser. J'en ai déjà sevré une partie après de ferme en ferme. Et là, il m'en reste une dizaine à peser. C'est celles qui sont nées mi-mars. Donc pour les peser, c'est pas compliqué. Je suis obligée de les porter. Puisque de toute façon, si je peux pas... J'ai pas de balance spéciale pour animaux, puisque c'est des équipements conséquents et qui me servent deux fois par an, donc je les porte et comme ça je me pèse avec.
elles font plus de 18 kilos. Et donc il y en a certaines, je vais pas les peser parce qu'elles sont de la même corpulence que celles que j'ai pesées. Je vais peser que les petites. Bon, 4 kilos. Elle, elle fait que 13 kilos. Du coup, on va attendre encore un peu. J'ai fait deux lots équilibrés en poids. J'ai redéplacé des grandes qui étaient sevrées depuis 2 semaines. Parce que c'est les plus petites et elles se font un peu taper par les plus grandes. Donc je les ai mis avec les plus petites. Puisque les plus grandes, elles sont juste là. Un coucou. T'es belle. Ça a grandi vite, hein. Ça grandit vite. Donc bien évidemment, au sevrage, ça va de soi. Si elles n'ont plus de lait, elles digèrent autre chose. Donc elles ont du foin depuis qu'elles ont 2 semaines à peu près d'âge. Donc elles mangent très bien le foin et elles mangent des granulés, évidemment. Et elles ont des pierres à sel. Et elles vont, elles vont rester dans cette partie du bâtiment tout simplement pour grandir. Et on surveille qu'il n'y ait pas... qu'il n'y ait pas de soucis. Et surtout, moi, le problème principal que j'ai, c'est que j'ai beau multiplier les points de nourriture, j'ai les grandes qui tapent les plus petites et les plus petites, du coup, qui ont des retards de croissance. C'est juste c'est un peu le souci que j'ai à la maison. J'arrive pas à faire autrement, même si là, j'ai fait 2 grands lots. C'est très grand pour elles ont la place. Je sais pas trop. Donc, affaire à suivre, je vais ranger ma balance. Hier, on a eu le contrôle, moi j'appelle ça le contrôle technique de la machine à traire. En fait, une machine à traire, c'est comme votre véhicule. C'est obligatoire tous les ans d'avoir un contrôle par des organismes qui ont l'autorisation de faire ces contrôles. Donc, je crois que pendant 2h30, 3h, il fait une batterie de tests, de pression. Il vérifie notamment l'état des tuyaux pour nous indiquer lesquels je change, même si bon, je les change avant d'habitude. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer l'orge. Pomme, viens, viens. Alors, ça, c'est l'orge. Donc, qu'on a semé avant cet hiver. Donc, c'est clair qu'il est magnifique. Vous voyez les orages qui arrivent là-bas. C'est pas beau. Donc l'orge, il est clairement magnifique. Le souci, c'est qu'il est très haut. Donc s'il y a trop de poids d'eau au niveau des épis, donc la tige va casser et vous perdez tout ce qui est tombé et ce qui est par terre. Et comme il fait chaud et qu'il pleut, l'herbe pousse énormément. Donc là, franchement, ça fait... une semaine, on fait que de la débroussailleuse sous nos parcs et je pense qu'on va en faire encore toute la semaine qui arrive parce qu'il pleut énormément. C'est pas la partie la plus agréable, hein. L'année passée, je crois qu'autour des parcs, j'ai dû passer uniquement 2 fois la débroussailleuse parce qu'avec la sécheresse, il n'y a rien qui poussait. Et là, c'est complètement le scénario opposé. Voilà. Donc maintenant, il faut juste croiser tous les doigts, tout, pour que d'ici 10 jours, ça s'arrête quoi et qu'on puisse attaquer. Alors ce sera super fatigant parce que le souci c'est que là tout va se faire en même temps, les premières coupes de luzerne plus le foin, et je pense que on va faire des heures, mais c'est pas grave, il faut les faire, mais tout va tomber dès que la pluie va s'arrêter, il va y avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, je suis en AOP picodon, donc j'ai pas le droit à l'ensilage ni à l'enrubanage, donc c'est pas une option pour le foin, c'est pas possible, et puis il n'y a pas de dérogation. Et ensuite, on sait pas faire, on n'a pas la machine, donc peut-être un jour on y songera, mais c'est rare des années comme ça où il pleut autant. Donc on va attendre, hein, c'est tout, hein. Vous inquiétez pas, on a de quoi s'occuper, on a des travaux à faire de partout, des pannes, des machins, des ceci, des cela, donc on va s'occuper. Il n'y a pas de souci. Mais alors, je fais 1m70 et bon, je suis dans un trou là. Mais l'orge, il est balèze là. Hein. Je vous raconte pas que s'il se couche, c'est fichu. Donc voilà. Alors, ce qui devait arriver arriva comme tous les jours depuis 15 jours à 15h. Il tombe des orages, on perd 15 degrés et on rentre les chèvres
Et voilà, c'est que du bonheur. Donc les orages, soit ils tombent 3 mm, soit 15 avec de la grêle. Et je vais vous montrer en fait les dégâts que ça fait et qui sont responsables de problèmes. Alors on va aller au champ de luzerne et je vous montre tout ça. Donc ça, c'est de la luzerne, donc on n'a toujours pas pu ramasser. Donc le régras passe par-dessus. Et en fait, vous avez vu, c'est couché parce que la pluie appuie sur les tiges, trop de pluie appuie et tout se couche. Je vais être trempée, je suis en short. Ouais bah l'orage me tombe pas dessus hein. S'il te plaît. Donc là vous voyez quand c'est super dense. Donc là vous avez mes pieds. Et en fait la végétation se couche. Mais si elle se couche elle va se coller. Et elle va tout simplement pourrir. Tout ça c'est couché, ça c'est en train de se coucher. Donc s'il tombe de la grêle ça va encore plus se coucher. Donc, j'espère que vous allez voir. Je suis dans les buissons. Je donne tout là. Ce qu'on voit. Donc c'est pas totalement couché. Alors, je vous mettrai une photo quand c'est complètement couché. Mais à partir du moment où ça touche le sol, c'est perdu. On espère juste que ça se couche pas complètement. Et même là, en se tassant, ça peut s'abîmer et pourrir quoi. Donc on a encore 10 jours de pluie, on pense vraiment faire quelque chose qu'on fait une fois tous les 15 ans, que moi j'ai jamais fait, c'est-à-dire faire de l'affouragement en vert, c'est-à-dire couper juste une petite bande de pré pour le donner aux chèvres, parce que là mes chèvres elles ont pas de rythme, j'arrive à les sortir 3-4 heures au pâturage, et le matin c'est trempé donc elles mangent pas, donc j'attends avant de les sortir. Et l'après-midi, elles ont du foin, mais c'est le peu qui me reste, qui est pas de bonne qualité, donc elles ont complètement chuté en lait. Donc on va essayer de leur donner en vert, mais je vous en parlerai si on le fait. Voilà, et bien écoutez, je vais aller me réchauffer, parce que je suis trempée, avant que la deuxième pluie n'arrive. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, et j'y répondrai. Et je vous souhaite une... j'espère que vous avez une meilleure météo que nous et je vous souhaite une bonne fin de journée.